Qu'est-ce que contient mon sac de plage? C'est plus d'actualité, n'est-ce pas? Bien que aujourd'hui. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'ai trouvé ce tag chez Maturel, chez Joël de la chaîne Maturel. Je vous mets le lien en bas. Non, ce n'est pas franchement une journée pour aller à la plage. Mais quand je vais à la plage, j'ai mon sac. Alors, regardez comme c'est mignon, c'est Mamie Chérie et j'emmène toujours un sac isotherme, Let's Sunshine. Et si mes petits-enfants sont là, tout comme vous, c'est le gros sac de plage. Alors à la fin de la vidéo, vous aurez une petite surprise. Il y a un petit bracelet à gagner qui m'a été envoyé par Showroom Privé, ainsi que ce sac de Mamie Chérie. Pourquoi? Parce que c'était dans leur capsule Fête des Mamies jusqu'à fin mars et c'était sur Show Privé. Donc voilà, moi je l'ai reçu bien après, mais je remercie, c'est toujours sympa. Et cet été, je vais pouvoir remplir ce sac-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Mon Pareo. Parce que quand je marche, j'aime bien avoir un Pareo. J'ai acheté plusieurs à l'île Maurice. Mes maillots de bain. Alors, j'ai mon maillot de bain. Alors là, cette fois-ci, j'ai celui-là, parce que j'en ai plusieurs quand même. J'en emmène toujours deux, mais il y en a un que je ne mets pas souvent. Alors celui-ci, c'est un maillot de bain. Je vous montrerai la photo là-haut. Pain de sucre que j'ai acheté à 7. Et je l'adore. Mais autant il est joli, autant comme le décolleté est tellement bas dans le dos, qu'il faut que je bronze parce que j'avais mon décolleté qui s'arrêtait un petit peu plus haut. Donc il faut que je bronze bien ou que je mette de l'auto-bronzant. Et moi, l'auto-bronzant, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, comme j'ai une peau qui bronze très bien. Donc ça va être deux jours où ce sera pas très joli du dos. Mais cet été, vous aurez ces photos-là parce que ce maillot de bain est magnifique. Il y a un tout petit peu d'élastane dessus. C'est un maillot de bain pain de sucre. Ils ont un petit coup, mais alors au point de vue qualité, ils sont super et un peu sexy. Eh ben oui, il a un grand décolleté. Jouons les décolletés, notre belle poitrine, quand on veut un peu plus dissimuler, par exemple pour moi, mes cuisses qui sont moins fermes, le haut est plus joli, je montre le haut. Voilà. Bah, sur le dessus, j'ai mes lunettes de soleil. Alors mes lunettes de soleil, c'est des lunettes à 3 francs 6 sous. Qui sont pas d'ailleurs très intéressantes parce que ce truc là est toujours tout sale parce que c'est pas des... Même si je les lave, elles sont pas de bonne qualité. Sauf que moi, je perds mes lunettes partout. Je les oublie, je fais un chèque ou je paye en carte. Toc, je les oublie sur le comptoir, je sais plus où, etc. C'est un vrai crève-cœur, crève-porte-monnaie plutôt. Donc maintenant, je m'achète des lunettes à 10 euros maximum. Si je les perds, bah c'est moins grave. Ma serviette de bain. Alors, la serviette de bain... Moi, je suis hyper maniaque et je suis vraiment embêtante. Mais j'aime bien avoir ma serviette de bain personnelle. Et j'aime bien avoir ma serviette de bain qui est toute douce. Donc, je la lave pas à chaque fois. Hein, mais je la lave, on va dire, toutes les semaines pour qu'elle soit quand même relativement douce. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Alors, je voulais pas montrer là, mais j'ai un petit siège de grand-mère aussi. Hein, parce que en vieillissant, j'ai mal au dos quand je suis allongée sur le sable. Le sable, s'il est un peu humide, le soir quand je rentre, j'ai mal au dos. Non. Un petit siège. Je t'ai dit, jamais j'aurais ça. Eh bien, je l'ai. Mais ce fameux maillot de bain, 2 pièces, acheté chez pain de sucre, ah ouais ça. Très joli maillot de bain, avec une petite culotte, mais alors un petit slip magnifique. Magnifique. Regardez-moi comme c'est mignon. Non, vous n'aurez pas la photo parce que je ne le mets pas encore. Je n'ai pas encore perdu assez de poids, bien que j'en suis quand même à 4,5 kg maintenant. Et oui, depuis qu'on m'a mis au régime anti-cholestérol, que je ne prends plus de chocolat, moins de sucreries, que je suis plus raisonnable parce que j'ai eu peur, eh bien j'ai déjà perdu 1,3 kg par rapport à ma perte de poids. Alors j'ai dit, c'est 4,3 kg et pas 4,5 kg. J'ai mon livre, bah oui, ça je ne vais pas à la plage sans un livre, sauf quand je suis avec mes petits-enfants. J'ai Lisa Carner, Famille Parfaite. Il faudrait que je vous fasse une petite vidéo sur les livres que j'ai lus. J'en ai lu plein pendant les vacances.
Si vous voulez, bah dites-le moi dans vos commentaires si vous voulez. J'ai 3 ou 4 livres à vous présenter que j'ai tous aimés. J'ai une petite trousse qui est cassée, que m'avait offert ma grande petite fille, mais où je mets mon téléphone portable. Pour 5 euros, bah pourquoi? Parce que j'ai toujours peur d'avoir envie de... Peur, non. Mais une petite soif, une petite sucette pour mes enfants. J'ai toujours 5 euros dans ma poche et quand il est dépensé, je le remets. Donc ça, c'était dans ce sac-là. Je dis, j'emmène toujours ça. Ça, je l'emmène toujours, 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 toujours. Alors, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, c'est que nous avons les 2 bouteilles d'eau. Une bouteille d'eau pétillante, très très froide, très très froide pour mon mari, et une bouteille tempérée d'eau douce pour moi. Plus de jus de citron dedans. Pourquoi? Parce que le citron, c'est sucré. Bah oui, c'est ma nutritionniste qui m'a dit ça. Donc dedans, tout d'abord, j'ai un fruit. Un fruit que j'enveloppe et c'est une pêche. Mais bon, je vais pouvoir l'enlever parce que je vais pas à la plage cet après-midi. Mais j'ai toujours un fruit avec moi. Ça peut être une banane, quelques amandes, mais toujours un fruit. Toujours, toujours un fruit. J'ai mon sac à provisions. Bah ouais, c'est pratique, hein. C'est pas en venant de la plage, on peut avoir envie de s'acheter 6 œufs et puis une baguette et puis un camembert. Donc voilà, le camembert, ça m'étonnerait pour moi. Hein, mais mon mari mange du camembert. Elle adore le camembert. Un peigne, oui. Un produit SkinCeutical Ultra Facial Défense. Alors ça, je l'adore. Parce que je m'en remets plusieurs fois par jour. J'ai un grand chapeau qui n'est pas dans mon sac, bien sûr. Mais je mets mon grand chapeau ou ma casquette sur la plage. J'ai une casquette noire que j'adore. Mais ça, je le remets, allez, 5-6 fois, ça est sur mes mains. J'aime beaucoup, beaucoup mettre ce produit-là. Je me sens protégée avec. Il n'est pas très cher. Et c'est l'un des meilleurs que j'ai essayé. J'en ai essayé un autre qui vaut pas, qui n'est pas aussi bien. Celui-là, il fait pas gras. Donc j'aime beaucoup. Alors ça, je n'emmène pas à la plage. Mais j'avais besoin vraiment de vous le dire. C'est la soif de l'or de Myriam K. Je vous indique la chaîne dans mes liens de Benoît Pena. Mon ami Benoît Pena, coiffeur à Lyon. Excellent coiffeur à Lyon. Et très très bon ami, ce qui ne gâche rien. Il dit dans une dernière vidéo, le meilleur soin que vous pouvez faire sur vos cheveux à partir du printemps pour les protéger pendant l'hiver, c'est de faire avant votre lavage de cheveux, vous appliquez votre masque partout, peu importe le masque, même le masque le moins cher, c'est très bien. Et moi, cet été dernier, il m'avait dit, Nicole, pendant tout l'été, puisque tu te baignes, moi je mets la tête dans l'eau, etc., surtout ne pars pas à la plage sans mettre de masque. Ne mets pas d'huile, l'huile au soleil, patati patata, je me souviens plus, du masque. Eh ben, je vais vous dire que j'en consomme en été, mais alors, et ça m'a sauvé les cheveux. J'ai des cheveux qui sont beaux maintenant. Et je l'ai fait tout l'été dernier. Il m'a fait des décolorations, il m'a fait des mèches, j'ai eu des mèches plusieurs fois. J'ai pas eu tous les cheveux abîmés. Mais moi, j'en utilise beaucoup. C'est-à-dire que le premier jour de lavage, évidemment, je ne vais pas le faire, j'aime bien mes cheveux légers, ils restent légers 3 jours. Et puis ensuite, après, quand je les attache, tous les matins, je mets un peu de masque sur mes cheveux. Alors, pas devant, je mets sur mes longueurs et pointes, et je les entortille comme ça. Et quand je vais à la plage, c'est pas une fois que je m'en mets, c'est quand je sors de l'eau, je vais me rincer à la douche, et je me remets du masque. Et je raccroche mes cheveux, comme ça, je suis pas affreuse. Et croyez-moi, c'est la meilleure technique pour ne pas abîmer ses cheveux en été. Alors, j'ai 3 produits solaires. Alors, ce qui est bien dans cette trousse-là, qui m'a été offerte par Vichy, c'est qu'elle est tempérisée, c'est-à-dire qu'elle va nous protéger de la grande chaleur et garder le frais. Comme en plus, mon mari me met sa bouteille d'eau glacée dedans, eh bien, mes produits, ils ne risquent absolument rien. Alors, j'ai ce produit-là, Shiseido Esperson SPF 30 Wet Force. Alors, moi, ce produit-là, il me convient très bien. Pourquoi? Parce que j'ai la peau déjà bien bronzée. Donc, le 30, c'est bon pour moi. Sauf que, attention, j'en remets toutes les heures et demie. Hein, et c'est une bonne cuillerée à soupe. Je ne mets pas un tout petit peu. Je me crème. On va dire, je me crème. Et j'ai de la même marque, ceci, qui est uniquement pour les lèvres. Et qui est, je vais vous montrer, d'une couleur un petit peu rouge. J'ai donné à mon fils la couleur bleue. C'est très très discret le bleu, j'espère qu'il le mettra, bien sûr que oui. Mon fils est un garçon qui fait beaucoup de surf,
Donc c'est vrai que ça va effectivement lui protéger ses lèvres. S'il ne l'oublie pas. Alors voilà, ça c'est du rose et vous allez voir sur mes lèvres, c'est très très léger. Hein, ça ne fait pas du tout ce coloris là. Je l'avais déjà essayé à l'île Maurice. Oui, je vous mets la petite vidéo, une petite vidéo de l'île Maurice, ça va nous détendre, il fait un temps horrible. Ça, c'est au grand soleil, juste après l'hiver à l'île Maurice, il faisait une chaleur pas possible, un soleil dingue. Moi, je n'ai pas été assez protégée, mais c'est tout simple, il m'aurait fallu un SPF 50, voire 60, hein, les premiers jours. Donc, et puis en plus, ce soleil, on crame vite là-bas, hein, c'était plein été. Donc, moi, je suis un petit peu cramée. Et j'ai dit, j'aurais dû emmener quelque chose de plus fort. Oui, j'aurais dû emmener quelque chose de plus fort en SPF, c'est sûr. Mon mari, lui, a été ravi de ça. Pourquoi? Dans cette protection, c'est du liquide. C'est très, très léger. Il y a un petit vaporisateur. Donc, on vaporise. Ça protège autant qu'une crème. Bien sûr, une crème du même indice, hein, 30, on est d'accord, mais ça protège pareil. Ce qu'il y a en plus dans cet idéal soleil de chez Vichy, c'est qu'il est à base de bêta-carotène. Alors, il n'y a pas d'auto-bronzant dedans, hein, c'est pas du tout ça. Mais le bêta-carotène va accélérer et intensifier votre bronzage. Il va le rendre plus uniforme, c'est vrai. Donc c'est un très très bon produit. Nous avons énormément bronzé à l'île Maurice et j'avais presque, puisque moi je fais vraiment très attention, je me mets vraiment à l'ombre, mais mon mari qui ne se met pas à l'ombre, mes bras et mes jambes étaient pratiquement aussi bronzés que les siennes. Et c'est assez rare parce qu'il a la peau vraiment très très noir, enfin vraiment il est très très bronzé mon mari, donc franchement je pense qu'effectivement ça fait un bronzage intensif, donc je suis ravie parce que je vais l'utiliser. Par contre, il y a dans la même gamme, ça c'est tout nouveau, hein, c'est sorti en mars cette année, mais il y a dans la même gamme comme ça, un idéal soleil mais qui est à base d'acide hyaluronique et qui est hyper hydratant, donc je pense que je ferai un peu les deux. J'irai m'acheter l'autre, qui est une très très hydratante, qui garde notre hydratation de peau, même pendant et après les bains de mer. Donc je vais l'acheter celle-là. Donc vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut avec mes produits solaires que j'adore. Protection 30, quand j'ai des petits-enfants, automatiquement c'est une protection 50. Si cette vidéo vous intéresse, eh bien un petit pouce en l'air. Si elle ne vous intéresse pas, faites le contraire et partagez. Partagez, c'est comme ça que vous me donnez plus de visibilité. Si vous aimez ma chaîne, bien entendu. Je vais taguer. Ah oui, mais le petit bracelet, je ne l'ai pas oublié, mais je vous fais le suspense jusqu'au bout. Je vais taguer Magali the Mouse. Ok, Rachel. Mais je mets les liens en bas, mais je ne sais pas si elle pourra le faire, ma pauvre Rachel, parce que allez la voir sur sa chaîne ou son Instagram. Je vous mets son Instagram. Elle a eu un accident, elle est tombée et elle est très très handicapée. Donc je lui fais plein de bisous si elle regarde ça. Philomode. Mais je vais taguer aussi quelques blogueuses cette fois-ci, d'accord? Moi je peux pas taguer tout le monde. Je vais taguer Janie. De Jeanne Hachette, pour savoir ce qu'elle a dans son sac de plage. Elle habite en plus un lieu magique. Et Solange. Et Corinne. Et Corinne du blog, le blog de la Provençale. Donc Solange et Bon Plan de Mondange. Voilà. Et en Instagram, ben j'aimerais bien taguer Pacano pour savoir ce qu'elle met, elle, quand elle va à Grisson, à la plage. Un petit cadeau, donc en bas dans le commentaire sur le blog, pas sur la chaîne YouTube, vous savez que c'est pas pratique, alors uniquement sur le blog cette fois-ci. Il faut simplement être abonné à l'un de mes réseaux sociaux et pas forcément au blog, vous mettez la réponse. J'ai ce petit bracelet qui a été envoyé toujours par showroom privé. Regardez comme il est mignon. C'est un petit bracelet où il y a marqué mamie chérie. C'était une capsule qui était sortie au showroom privé
pour la fête des mamies. Voilà, il est pour vous. Alors, vous mettez, comment vous appelez-vous? Mamie? Mémé? Manou? Votre prénom? Comment vos petits-enfants vous appellent-ils? Moi, pour mes premiers petits-enfants, j'avais 44 ans. Et à cause de l'histoire précédente où ma mère confondait fille et petite-fille, moi, je me suis dit, je veux absolument faire le barrage de ça. Je veux être la grand-mère et non pas la mère. Je ne veux pas cette confusion de génération. Et quand ma fille m'a demandé comment tu voudrais que Elisa t'appelle, tout de suite, j'ai dit grand-mère. Mon mari m'a suivi en disant, mais moi, ce sera grand-père. Donc, génial. Et puis, nous avons eu 8 ans, non, pas 8 ans, oh si, 8 à 10 ans après, d'autres petits-enfants de mes fils, qui sont plus jeunes que ma fille. Et là, une de mes belles-filles m'a dit, ah non, non, grand-mère, c'est pas possible, parce que son premier fils, notre petit Esteban, qu'on aime très fort, mais qui a un autre papa, les parents du papa s'appelaient déjà comme ça. Donc, pour qu'il n'y ait pas de confusion, elle m'a demandé si c'était possible de m'appeler mamie. Et mes petits-enfants aînés n'ont pas du tout été contents. Ils ont dit, mais dis donc, c'est pas normal. Elle aurait dû accepter que nous avions choisi grand-mère. Bon, enfin, ça s'est vite tassé, parce que c'est quand même pas très très grave. Bien que, je regrette que mes petits-enfants ne m'appellent pas grand-mère. C'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très très joli, grand-mère. C'est beau. J'ai toujours du plaisir à discuter avec vous. C'est pour ça que je suis toujours très longue. Bisous, bisous, mes amis. Bisous, mes amis, au masculin aussi.